الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أسر رحمة للعالمين ولا عدوان إلا على الظالمين مباكي قلنا صنط برم سبحانه وتعالى جلتنا محمد صلى الله عليه وسلم لدولي لكم يعني ممكي صحابام أكيب كتب سنيون برم سبحانه وتعالى سخل لبدي دي كل متابل لأجنا يعني برم بدفن دي دينك سنو باب دين دينك رقال يالله سبحانه وتعالى تموي دف أين قلم باي أي ترم تكتنا هنا ممي سنة محمد صلى الله عليه وسلم mbokki borom subhanahu wa ta'ala def ñu wax ci qur'an ngir ñu jëf jëf yu baax yo xamne def ñu mëna tabel aljana ñu xamne jëf yoyu de amna ñaar yo xamne cër yi feñ mo koy def waye amna cër bo xamne muy xol bi jëfam dafa nek lo xamne lu am dawe la lol te ñu xamne doomu adama bi julit bi bala borom subhanahu wa ta'ala di nangoy jëfam faw jëf joju and ak ñaari charte bu ñëkk bi moy mu don lu sel lol ngir borom subhanahu wa ta'ala ñaarel bi moy mu depp ak la xane mom moy sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam tay ñu waxtaan ci bu ñëkk bi moy jëf jo xamne gu sel la selal jëf joju day melni ci bo xolal digënte jëf ak selat gi day melni nga xol bâtiment boy tabax ak fondation bi wala nga ni romu adama ak ruwam bâtiment bi bala muy deugër fo fondation bi baax nit ki bala muy mën dund fo ruwam nek fi kon ñaar yo buñ fi nekkul kon moy bâtiment ba du baax nit tamit du dund niki nonu jëf bo xamni jëf nañ ko te selul ngir yalla subhanahu wa ta'ala du la jëriñ fi ci aduna wax malakh yawmul qiyam borom bi mu ne xana xolo ana ñaar ñi kan mo ci gën ka nga xamne dafa jël jëfam tek ko ci ragal yalla subhanahu wa ta'ala tek ko ci yaakaar nak ni mom moy ngeureumandem koko ka nga xamne kat famu tik jëfam lu jégé la lolou lu mëna yaqula kan mo tane lañ ci gis na moy ka tane moy ki nga xamne jëfam da ko tek ci ragal yalla subhanahu wa ta'ala motax nga gis yéféri ñom buñ ñëmé yowul qiyam borom bi bokk na ci li tax du nangu seen jëf ñaar la benn moy defuñu ko ci biir islam kon kenn du ko nangu waye tamit dafa nek lo xamne selul ngir yalla subhanahu wa ta'ala yalla motax mané yowul qiyam buñ ñëwé lañu doon jëf dana len ko wani waye ma soppi ko mu nek lan ak pënd bo xamne da fay naaw yalla nañ ci borom bi subhanahu wa ta'ala musal motax ay bi nek suratul tabaaraka suratul mulk yalla nan li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dama bind dund ak de ngir manatulen yeen pour xol ana kan mo ci gëna bax ay jëf al fudayl ibn iyad rahmatullah alayh biñ ko laaj mu ne moy ka nga xamne jëfam mo gëna sel ba pare gëfam mo gëna depo ak sunna ñu ne ko lan moy lolu mu ne jëf gu jëng ci jëf ci islam bu fekkante ne sel la non ngir yalla subhanahu wa ta'ala waye depo wul ak sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam ken du ko nangu waye da bu fekke jëf ji depo nak sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam waye selul ngir yalla subhanahu wa ta'ala ken du ko nangu ludul mu doon jëf joji bo xamne kon day nek lu sel nek lo xamne lu depo ak sunna la ama nek buñ ko laaje wa lam moy selal bobu mune moy nga dindi sa xol lepp lo xamne day yaq wala day tinimal jëf jo xamne kinké bëggon moy yalla subhanahu wa ta'ala té kessé kon bo ci jëf fexel ba sa xol na sel la bu mu nek lo xamne day doon ngir yalla ak leneen lol nak da fay xawa wutek legui diñu wax yene ndax yene bi leg leg lamuy waral moy nga man tekkale digeunte jef yi waji taxaw julli ñenti rak yene mo lay wone ki mi nga julli tisbar wala nga xamne mom moy takusan kon nga xina selal bo dafa nek lo xam lu am jeriñ la motak yonenti nek nanu ñep ñu bax dañ doon gor gorlu ngir seeni jef nek lo xamne lu sel la ndax xamone nañ ne kat ciel la gog bu ci dañuy rek ñom seen jeuf dafa yaq te la lokay ban moy hadith bi ñuy waje wax nga xamne Abu Hurairah radiyallahu anhu mo koy wax ni sallallahu alayhi wasallam moko jangale pour wala ñet ñi nga xamne ñom ñoy ñeuk duggu safara yalla ci yalla musal Abu Hurairah ni sallallahu alayhi wasallam neena waji ñi ñeuk at yawmul qiyam bokk na ko xamne ci tolu xare la daano ko ñu ne ko shahid la mu ne waye koku yawmul qiyam yalla da koy dekkil ne ko a ma jox li le ab mbax ana lan nga ci def ndax dafa amone katan lol mune yalla man de xexna ci rayante na ci ba daan ci tolu xarebe yalla mune ko waxo deug ndax borom subhanahu wa ta'ala moy ki xamni ci xol yi mune ko waxo deug la taxone ngay xous di xex la taxone ngay def li moy ngir ñu ne ki ku jambar la wax nañ ko ci aduna kon lo moy sa fay Abu Hurairah mune yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu digal ab malaaka mu xëtti waji diir ko ci kanamam tabbal ko nak mu moy safara yalla ci yalla musal mune ñaarelu waji ko xamne dafa jangone xam xam lol am xam xam waye nekkon ko amne ko jang alquran la neena buñ ko dekkile borom me ne ko ne samay xewal joxon na la ko xamalon na la xam xam jangalon na la alquran lo ci def mu ne ko borom bi xam xam bobu jang na ko jangale ko borom bi alquran gogu tarina ko fo xamne ñep dañ dan taxaw borom bi ne ko
té néna bam ko dan tari ngir yalla tax borom mi ne ko waxulo deug la taxone ngay jang xam xam bobu diko jangalé moy su ko défé gaay taxaw né waaw waaji mo ëpp xam xam fi ki tay moy borom xam xam bi nga xamné ken mënuko wala ñu né waaw waaji mo gëna neex baat moy nga xamné fu mu jangé alquran nit ñi joy mu né nit ñi wax nañ lool ci kaw suuf kon lool moy safay kon mu duggal malaaka mu xëc waajoju diriko ak ci kanamam ba ci bir safara saniko fa yan ci Allah musal mun ñettel bi mun ko xamne la borom subhanahu wa ta'ala da ko ubbul won buntu wërsekk yi jox ko alal jo xamne façon alal bo yaakar rek amna ko mu nek lu bari lol neena bu dekké borom mi ne ko la mala joxone al nan nga ci def mun ya Allah xamal ne kat fepp ñu wote ne joxelen ngir yalla rek ubbi buntu bobu neena joxena ko fuma taxaw ñu laté ngir yalla mune joxena ko yalla mune ko ah la nga doon def di deug ndax borom bi mo am li ci xol yi mune ko la nga doon def moy pour nit ñi taxaw ne ki rek ko tabela ku meuna joxela wax nañ ko ci suuf neena koku na fuñ koy tabal tamit moy safara mbokk ñu xol ñett ñoñu ku nekk ci ñom jëf la jëf wo xamne gu baax la go xamne niñ doon xalaat moy ne ki buy dé di dem aljanna waye nak seeni yene mo baxutone seeni selal mo baxutone liñ doon def defuñu ko won ngir yalla leneen lañ ci jubol motax borom bi fay leen ci lool yanñ ci Allah musal moy ibn abi sufyan ti ken ci sahabatul kiram ridwanullahi alayhim bimu degge waxu yunus sallallahu alayhi wasallam dafa joy yu metti ndax de ko tital lol mune wallahi yalla waxna deug yonentam sallallahu alayhi wasallam waxna deug mu tari ay mune yalla dafa wax ci alquran mune kep ko xamne li ngay def yow li ci beug moy aduna ak taaruf aduna borom bi mune xamal ne kat fi de sa jëf yeb danañ lako fay ba mat te ken du ci wañi dara mune way nak mune ñoño ñe xamne bu ñewé mal qiyam duñ fa am dara dudu safara lañ dan def yal neena ma balna ko ndax lañ dan def nekul lo xamne lu bax la yanñ ci Allah musal kon mbokki lolo taxone borom xamne mi jitu nekkon ño xamne dañ dan jema def ay jëf yu bax yo xamne sax amal na sax nit ñi duñ ko gis balen ci sante la lay wan importance sen dal bobu yoonu muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak yena sahaba ñu nek ci jihad di dem di guerre sallallahu alayhi wasallam jekki ne len pourtant de amna ay gaay ngeen bayyi madina xam leen ne ci xare bi lepp luñ ci def ci lu baax fepp fuñ ci wacci lepp luñ ci gagner mu ne ñoom de tiyaba bobu ñoom dal leen fekk ci sahaba yi xol gane ko ah te ñoom ñi nga madina mu ne han kay ñoom ñi nga madina la wax ñewuñu moy dafa am dañu am ngant bo xamne motax ñewuñu kon lool dala wone kon selal bobu dana yekati nit ki fo xamne amal na jëfam sax du fa bari nonu motax nak mu nek mbir bo xamne bu xawa dis la sahl ibn abdullah at-tastori bagn ko laaje nit ki ana lan mo gëna jafé ci mom mu ne li gëna jafé ci nit moy mu selal mu ne ndax te nit ki bu selale deug deug selal bakkenam bi du ci am dencer ndax bakken def bëgg ñuko tag bakken def bëgg ñukay wax lu baax waye bu de limi def dafa sel ngir yalla ne xamni ken xamuko neena loolu nonu da fay metti nak ne mom moy bakken bi amana nit ne ah bu de loolu kon jarus moy jëf wala sama jëf yep na koy ne bu de det amna jëf yo xamne faamu feñ waye nga jappalen rek ne leg leg tamit loolu meuna nek ndeug sarax bo xamne sheitan mo la kalal motax al fudayl balek di waxna mune bayyi ab jëf bo xamne bu bax la nga bayyi ko ngir ne nit ñi ño fi taxaw mune lolu ci bopam ngistal la nga bayyi jëf ne duma ko jëf ñun la motax ci saxal nga ne am ñu fi taxaw di ñu may gis mune lolu ngistal la mune nga jëf ko sax ngir ñom nak ne la mom bokal sax la lay mën duggal neena li selal deug moy nga nek ci digënte bobu yalla ñu yalla may ñu bok ci ñoñu waye leg leg tamit nit ki jëf ab jëf bo xamne bamu koy jëf yalla subhanahu wa ta'ala kesse mo tax amad ne nit gis nako te mom sax yeggu ko après nit ñi yegg ko mbir mi tass bañu commencé diko tag ci lool lool nak téréwul jaxonté way ak mom mu nekk selal lool selal na waye borom subhanahu wa ta'ala mo dogal lool abu dharr radiyallahu anhu neena yunus sallallahu alayhi wasallam dañ ko mustaj nako waw nit ke dina jëf jo xamne bamu koy def yalla subhanahu wa ta'ala kesse tax bëgg yalla tax waye keneen taxul après nak nit ñi gis ko diko ci tag yo sa sa mu ne ko lolu de yalla subhanahu wa ta'ala mo koy gaawa diko beugel su ko defé lolu mom mën ci nek ko xamne da ci continuer waye ba légui rek na def ndank bala la xamne mom moy gissal da ko dugg bokk na nak ci lo xamne amad na mën na la jappalé ba nit ki nekkom da fay sel la ay jëfëm yenn yi di ñew benn bi mu nek ko xamne day genné xelam genn xolam ci na xamne moy tag bu ko nit ñi tag ci ko suuf ci mo xamne tag bi ko nit ñi tag amul jëriñ
ndax lula gañu tag te yalla mere la xamal ne lolu amul njëriñ waye nit lepp lo xamne nit ñi mere nañ la ko te borom bi subhanahu wa ta'ala mom tag na ci lolu xamal ne lolu moy njëriñ lolu moy duggal aljana kon nit ki na bayyi xel ci mbir mom non waye tamit nit ki nay fexé ba am ci ay jëfam yo xamne da koy neub luñu dal al khabi'a jëf jo xamne danaka yow dong ya koy xam li dalon bilal radiyallahu anhu bilal dafa jekki yon sallallahu alaihi wasallam ne ko bilal yow ana lan nga jito aljana ma ngi deg sey tepi tank sama kanam bilal ne ko man defo ma jëf jo xamne amana lu général la lolu jekki bilal ne ko amana man de amna jëf bo xamne mom mang koy def té lol danaka kenn xamuko won ci bilal moy mune say buma jappé rek même budul waxtu julli say buma jappé rek na julli ñaar rak yu so sam nako lolum kon motax kon yow julli bi fexel ba am jëf jo xamne dang koy neub nga xamne sax waxuma la sax ñi nga dekkal waye sa soxna sax mën nako baña xam wala sax sa borom kër salafus salih amna ci ño xamne dañ daan xey dem seen yoon fekk dañu wor seen soxna xamuñu dañu wor ndax togal lañ leen dekk defar leen ko ñu jël yobale nek ci yoon bi saraxé nañ ko bala ñuy waccat guddi lay doon fekk or dog jotna am nañ ko jëf ay at ño xamne daana ken xamuko won kon ñoo julli bi tamit bayal xé ci lool waye leen na mëna tax ba ngay jema sel samir moy nga xamne pañatu aduna bi comme ni ki sallallahu alayhi wasallam waxe amul ben dayo ci kanam borom subhanahu wa ta'ala ya alakhiru mo gën yag te mo gënit kon yow am ngeureum bo xam dañu jëmal al-akhirah mo gën ngeureum aduna bi nga xamne lo xamne lo éphémère la lolou da fay gawa dem waye julib bi bu bëgge gëna sellal né jang al-qur'an di sétantal bu baax ay wax ci nak né mom moy al-janna ak ay xam da fay wax ci safara ndax lolou da fay tax mom mu mëna tiit ragal safara waye mom mu mëna am xemem dugg fa nga xamne moy al-janna té xamna la moko mën may moy mu sellal waye bokku ni ci mbokk bi moy nga nek ko xamne kuy muñ nga ndax ni nga waxon sank moy ne ba kenn gëna met ci mom moy sellal ndax amu ci nak ne mom moy wal kon ñewit da nga muñ ndax da ngay muñ nga xamne kat yalla subhanahu wa ta'ala limu la dik dana la ko jox donte nit ñi mere nañ la motax yalla ne sallallahu alayhi wasallam fasbir muneko muñal inna wa'dallahi haqq te nga xamne kat yalla subhanahu wa ta'ala digam lu deggula mune ñinga xamne nak ñom seeni ngëm degeerul neena ñoñ buñu tadassion bi kon nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala même si aduna bi ci walu diine yi la ci upp ni muy jox nit ki grade ba muy nek ko xamne jitt la ak mel nonu moy ñaar yi moy ngëm go xamne gu deggula waye gu nek lo xamne moy lu andak muñ bo xamne bu yagala mot ya subhanahu wa ta'ala di wax ci wa banu isra'il ak ño xamne top nañ len mune waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina ne dama tanan ci ñom ay njit yo xamne ñom li ñuy diggal nit ñi moy suñu diggal ñun mune kañ la mune lamma sabaru biñu muñe wa kanu bi ayatina yuqinun nek ño xamne dañu gëm bu baax gëm nga xamne sikki sak ci xamne mom moy suñu aya kon bokk li len la won ci fatale ci la xamne mom moy ben ci condition yo xamne moy tax ñu nangu sa jëf muy sellal muy mbir mu jëfé lol waye nit ki wara gorgolu jëm ko am ndax bu fekkentene nekku ci nak ne mom moy sepp jëf dafa yaqku yalla na ñal borom subhanahu wa ta'ala may ñu nek ño xamne lepp lu ñuy def day sell ngir mom borom subhanahu wa ta'ala duñ ci xol ku ñu tag wala duñ ci xol kep ko xamne normala frère en islam Allah nous appelle dans le Coran à bien œuvrer pour mériter le paradis. Les actes physiques sont certes importants, mais ceux du cœur le dépassent parfois plus rapidement. Et l'œuvre du musulman doit réunir au moins deux conditions pour être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux conditions sont la sincérité et la conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité est très recommandée par les textes islamiques et le musulman doit s'efforcer de l'acquérir pour bien garder ses œuvres. La sincérité dans l'œuvre est comparable au fondement pour le bâtiment ou bien à l'âme pour le corps. De la même manière que le bâtiment sans fondement ne tient pas, un corps sans âme ne vit pas, l'œuvre sans la sincérité ne profite guère. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ Allah dit, lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah ou bien celui qui a placé ou bien celui qui a passé les œuvres, les assises
de sa construction sur le bord d'une falaise croulante qui croulera avec lui dans le feu. Cela vous montre donc que l'œuvre qui est insincère est meilleure que toute autre œuvre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette en général les œuvres des mécréants parce qu'elles ne sont pas fondées ni sur l'islam ni sur la sincérité. C'est pour cela qu'Allah dit « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » Nous allons faire venir ce qu'ils ont œuvré et nous allons le transformer en une poussière qui va s'évaporer. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, lorsqu'il faisait l'interprétation de ce verset, « لِيَبْلُوَكُمْ أَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » disait « قَالَ أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ قِيلَ يَا أَبَا عَلِي مَا أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Il disait lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ليبلوكم أيكم أحسن عملا, Allah a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour voir parmi vous qui a la meilleure des œuvres. Il disait que la meilleure des œuvres, c'est celle qui réunit les conditions suivantes. Akhlasuhu wa aswabu. Il dit, c'est l'œuvre la plus sincère et la plus conforme. Lorsqu'on a demandé, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, lorsque l'œuvre est sincère, alors qu'elle n'est pas conforme avec la sunna, Allah n'acceptera pas cette œuvre. Lorsque aussi l'œuvre est conforme avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne va pas accepter cette œuvre jusqu'à ce que l'œuvre réunisse les deux conditions, la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demandant que veut dire al-ikhlas, l'un des savants disait al-ikhlas tasfiyatu ma yurad bihi thawabullah wa tajriduhu min kulli sha'ibatin tuqaddiru safa'ahu wa khulusuhu lillahi lahu subhanahu. Il dit la sincérité, c'est le fait d'enlever de son cœur tout ce qui peut entacher ou ternir l'œuvre dont on ne veut que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sincérité est parfois différente avec ce qu'on appelle an-niyya, l'intention. Parce que parfois, l'intention, c'est tout simplement, ça peut nous faire différencier entre les deux œuvres qu'on fait. Par exemple, celui qui fait 4 rakka, c'est par l'intention qu'on saura que si ces 4 rakka sont des 4 rakka, par exemple, de Zohr, ou bien ce sont des 4 rakka de ce qu'on appelle al-asr. C'est pour cela, donc, vu l'importance de cela, c'est-à-dire la sincérité, les prophètes et même les pieux s'efforçaient d'avoir cela, car cela permet de garder l'œuvre que l'on a fait. C'est pour cela aussi que certains des pieux ancêtres faisaient des œuvres même en cachette pour éviter d'être la risée des gens et que tout simplement les gens commencent à les féliciter. Et pour comprendre l'importance de cette sincérité, il faut revoir le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu qui nous parle des 3 premières personnes qui seront les combustibles des feux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Hurayra, « Inna awwala an-nasa yuqda yawm al-qiyamat alayh rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafaha qala ma amilta fiha qala qataltu fika hatta stashhadtu qala kadhabta walakin qatalta li an yuqala jari faqad qil. » Il dit la première personne qui sera jugée le jour de la résurrection, c'est quelqu'un qui est mort martyr, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le champ de bataille. Et Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera et lui dira, voici ce que je t'avais donné comme bienfait. Qu'en as-tu fait? Parce que c'était quelqu'un de très fort. Il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai combattu dans le sentier d'Allah jusqu'à mourir martyr. Allah a dit, non, c'est faux, tu as menti. Ce que tu voulais que les gens disent que tu es courageux, on l'a déjà dit. Et le deuxième, Abu Hurayra, et il dit, Abu Hurayra dit, faqil qad qila thumma umira bihi fasuhba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Abu Hurayra, c'est comme ça, dit que c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala donc va envoyer un ange et lui dire, traîne-le sur son visage jusqu'à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Le deuxième, Abu Hurayra dit, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi farafaha ni'mahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an
قال كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. أبو ردي le second sera quelqu'un qui avait pourtant la science islamique. C'est quelqu'un aussi qui était très bien dans la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala le ressuscitera et lui dira, qu'as-tu fait des bienfaits que je t'ai donnés? Il lui dira, Allah, j'ai appris la science et je l'ai enseignée à d'autres. Je lisais le Coran, pourtant, un agrément. Allah qui connaît les cœurs lui dira, tu as menti. Ce que tu voulais, c'est que les gens disent que tu es savant. Ce que tu voulais, c'est que les gens disent que tu as une belle voix, que tu pouvais réciter le Coran. On a déjà dit cela et on donnera l'ordre à un ange de le traîner sur le visage jusqu'à le faire entrer en l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et le troisième et dernier homme, Abu Huraira dit, « وَرَجُلٌ وَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهَا نِعْمَهُ فَعَرَّفَهَا قَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتَ فِيهَا قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنْ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Il dit le troisième, c'était quelqu'un de très riche. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné toutes sortes de biens. Et le jour de la résurrection, Allah lui dira, voici les bienfaits que je t'avais donnés. Qu'en as-tu fait? Il dira, Allah, à chaque instant que j'entendais que de dépenser dans le sentier d'Allah, dans n'importe quel sentier, il dit, je dépensais cela. Mais Allah qui connaît le cœur lui dira que tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. On l'a déjà dit. Donc, c'est ça ta rétribution. Dans la vie, ici-bas, les gens disaient que tu es généreux. Allah subhanahu wa ta'ala va dire un ange de le traîner sur ton visage jusqu'à le faire entrer en l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères en islam, regardons ou bien méditons encore sur ces trois personnes. Bien que c'était des gens qui étaient des musulmans, c'était des gens qui ont fait de bonnes œuvres qui, normalement, devaient être la porte directe pour le paradis. Mais malheureusement, ils sont en enfer. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'étaient pas sincères dans ce qu'ils faisaient. Ils ne le faisaient pas pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour le voyement ou autre. Lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, a entendu cela, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sadaqallahu wa rasoulu. Et il pleurait même à chaudes larmes. Il a dit, qala Allahu azza wa jal, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui veulent la vie ici présente avec sa parure, nous leur rétribuerons exactement selon leur œuvre sur terre. Ces gens-là, il dit que sans que rien ne leur en soit diminué, ceux-là n'auront rien dans l'au-delà que le feu. C'est ce qu'ils auraient fait. C'est ce qu'ils auront fait ici-bas. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera donc en échec et ce qu'ils auront œuvré sera vain. Qu'Allah soit en train de nous en préserve. C'est ce qui poussait donc, comme on l'a dit, les pieux ancêtres à faire beaucoup des œuvres d'adoration en cachette même, toujours montrant l'importance de la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à certains compagnons qui étaient avec lui dans une bataille, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum wa fi riwaya illa sharakukum fil ajr qalu ya rasul allah wa hum bil madina qala na'am habasahum wa hum bil madina habasahum al udhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons qui étaient pourtant avec lui dans la guerre, il leur dit, il y a des gens qui sont restés à Médine, donc ils ne sont pas avec nous, et ont tout ce que vous aurez comme récompense, comme bienfait lors de cette bataille. Ébahis, les compagnons de Dieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils sont à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, oui, ils sont à Médine, ils ont une excuse valable. Cela veut dire donc que ils sont à Médine, ils ne sont pas partis, mais de façon sincère, ils voulaient partir. Nul était l'empêchement qui leur a bloqué. C'est certes une chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle cette sincérité, qui est très difficile, mais il faut essayer de s'efforcer pour avoir cela. Et ce qui montre que c'est difficile, c'est ce que disait Sahl ibn Abdullah al-Tastari lorsqu'on a demandé « Ayyu shay'in ashaddu ala nafs »
فقال الإخلاص لأنه ليس لها فيها نصيب. On lui a demandé quelle est la chose qui est plus difficile pour l'âme. Il dit c'est quoi? Il dit c'est la sincérité. Parce que tout simplement, si l'homme est sincère dans ses œuvres, l'âme n'aura pas une part de cela. Quelqu'un peut se dire donc, être sincère c'est difficile, je ne vais pas faire beaucoup de choses. Ou bien même je vais cacher toutes mes œuvres. Mais cela aussi peut être ce qu'on appelle un des pièges de Satan. Comme le disait Al-Fudayl, rahmatullah alayhi, il disait « Tarkul amali li ajlin nasi riya'un » wal amalu bil ajli an-nas shirkun wal ikhlasu an yuafiyak Allah minhuma. Il disait délaisser une œuvre que l'on doit faire, soit une prière, un jeûne ou bien quelque chose de bien que l'on doit faire, et tu le délaisses en disant non, voici les gens, ils vont me regarder. Il dit ça même, ça fait partie de l'ostentation. Il dit maintenant faire cette œuvre là parce que les gens sont présents, il dit cela peut entraîner ce qu'on appelle l'associationnisme, le shirk. Il dit la sincérité c'est être dans le juste milieu entre ces deux extrémités-là. Cela ne veut pas aussi dire que lorsqu'on fait une œuvre et que les gens te félicitent, cela veut dire qu'on n'est pas sincère. Non, cela peut être, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Dharr, une bonne annonce. Abu Dharr disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Lamma su'ila anir rajul ya'malu al-amala mahabbatan lillah fayahmadu an-nas alayh qala » Tilka ayul bushra al-mu'min, rawahu Muslim. Il disait pourtant quelqu'un peut être sincère. Il fait une œuvre et il ne le fait que par amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas être vu ni autre chose. Mais peut-être quelqu'un l'a vu et les hommes ont commencé à le féliciter de telles choses. Il dit ça, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère. Il est sincère. Mais c'est une bonne annonce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà fait dans ce bas monde pour qu'il essaie de continuer sur cette voie. Et parmi ce qui peut aider le musulman à avoir la sincérité, figurent certains points, parmi lesquels se désintéresser totalement des louanges des hommes. Et savoir que les louanges que les hommes vont faire ne seront que dans ce bas monde. Et se dire que les louanges que je veux le plus, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala est content, que les gens soient contents ou non, cela ne me regarde pas. L'essentiel est que l'œuvre que j'ai fait, que je l'ai fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre, c'est quoi? C'est essayer d'avoir des œuvres que l'on fait en cachette, ce qu'on appelle al-khabi'a. C'est-à-dire des œuvres que personne ne voit. C'est ce que faisaient certains compagnons. Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Mais Bilal, j'ai entendu tes pas devant moi dans le paradis. » Quelle est l'œuvre que tu faisais? L'œuvre que Bilal faisait, personne ne le connaissait. Jusqu'à ce que lui, il dise cela. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « En tout cas, j'ai l'habitude, après que j'ai fait mes ablutions, je fais deux zintes de prière, deux rakas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Peut-être c'est à cause de cela. » Et on raconte que parmi les pieux ancêtres, il y en a qui jeûnaient alors que même son épouse n'était pas au courant du fait qu'il jeûnait ou bien qu'il faisait de bonnes œuvres. Aussi, connaître la vraie vie, la vraie donc valeur de ce bas monde. Ça veut dire que le bas monde dans lequel nous sommes est très éphémère. Et préparer l'au-delà, c'est-à-dire que donc, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khayrun wa abqa. Là-bas c'est mieux et aussi c'est plus durable. Donc pourquoi tout simplement vendre ce qui est plus durable par ce qui est très éphémère? Donc si tu connais la vraie vie, la valeur éphémère de cette vie-là, tu ne vas pas te dire que j'ai fait des œuvres pour les hommes ou bien que j'ai fait des œuvres pour les gens qui me regardent, mais tu le feras pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi méditer bien sur les versets qui parlent du paradis ou bien de l'enfer. Lorsque tu verras cela, tu te diras donc, si je veux être épargné de l'enfer et entrer au paradis, je n'ai qu'à être juste avec moi. Je n'ai pas à être sincère, ce qui me permettra d'entrer au paradis, même si les gens ne me connaissent pas et même si les gens ne font pas des éloges. Mais aussi pour cela, il faut être ce qu'on appelle endurant. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastaghfirannaka alladhina la yuqinun » Allah dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux musulmans de façon générale, « Sois donc patient et endurant » car la promesse d'Allah est véridique et que ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas. Cela te montre que donc si tu n'es pas patient, si tu n'es pas endurant,
tu vas te dire que les gens ne sont pas en train de faire des éloges pour moi, ou bien que les caméras ne me voient pas, ou bien que les gens ne parlent pas de moi, alors que cela ne doit pas te détourner de ton chemin. Car pour être sur le bon chemin, pour être, comme on l'a dit, sincère, il faut tout simplement être patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire dans le Coran, montrant que pour avoir certains grades, il faut les deux choses-là, une croyance ferme, mais aussi une sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, ou donc une patience du moins. Allah dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement ou à nos versets. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les pieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui sont sincères dans les œuvres. Allahumma habbi lana al-iman wa zayyin fi qulubina wa karihna al-kufra al-fusuq waj'alna min ar-rashidin waj'alna min al-mukhlisin. Qul ya sadiqukum yarhamukum.